Bonjour, je suis Julie Letourneau, ingénieure forestière à l'Association des propriétaires de Boisé de la Beauce, l'APBB. Vous possédez une terre, vous désirez en posséder une ou vendre la vôtre, sachez que c'est avantageux de la faire évaluer. L'évaluation, c'est d'abord l'avis d'un professionnel sur la valeur marchande de votre propriété. Mais c'est bien plus que ça. Dans une érablière, vous serez informé de sa valeur, mais aussi d'une foule de renseignements supplémentaires. Entre autres, le nombre d'entailles potentielles, le nombre d'entailles qui sont installées, celles qui vont venir prendre la relève, sa superficie et sa localisation, le contingent de production acéricole s'il y en a un. Ces données peuvent servir à faire un plan d'érablière pour les producteurs et productrices acéricoles du Québec, les PPAQ. Pour la terre à bois, les informations que l'on vous fournit sont tout aussi pertinentes. En plus de la description des peuplements forestiers, plusieurs renseignements utiles vous seront communiqués, comme le volume de bois sur pied et sa valeur, la valeur du fond de terrain, le zonage, les services disponibles ou l'accès au lot. Mais avant de pouvoir se prononcer sur la valeur du lot, une visite terrain doit être organisée. Un technicien forestier ira prendre des données et toutes les parties de la terre seront visitées. Connaître la valeur marchande d'une propriété est utile pour vendre ou acheter, mais ça peut aussi servir quand on veut transférer une propriété à un proche, à des fins fiscales, de financement, d'expropriation ou lors du décès d'un parent. Ça vous intéresse? Le coût est fonction de la superficie inventariée. Contactez-moi, je vous ferai gratuitement une soumission. Vous saurez alors combien ça coûte pour avoir l'heure juste sur la valeur de votre propriété. Et ça va me faire plaisir qu'on agence ensemble de votre projet. Au plaisir!